Acclamez de fort, acclamons encore le roi, acclame de fort le Seigneur, acclame encore, je voudrais t'entendre acclamer, que le ciel t'entende acclamer le roi. Oui, bien-aimé, ce soir, c'est un grand moment, c'est un moment d'adoration, un moment où chacun de nous va devoir s'approcher dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors que déjà sous la musique, il y a des moments, nous voulons nous excuser du retard avec lequel ce programme commence. Mais c'est un culte, un grand moment d'adoration, un grand moment d'humilité où chacun de nous s'approche de Dieu pour pouvoir l'adorer pour cette année nouvelle qu'il nous a donnée, pour cette opportunité qu'il nous accorde d'être des enfants de Dieu. Alors, c'est un culte où toi et moi, comme adorateurs du Dieu très haut, nous allons nous approcher de Dieu en adorant, où chacun de nous va répandre son cœur, où chacun de nous va répandre son âme devant Dieu. Alors, il faut que ce soir, toi et moi, comme un peuple acquis de Dieu, nous puissions ensemble unir nos cœurs pour pouvoir élever les Seigneurs. Ce moment, ce programme est dénommé le rassemblement des vrais adorateurs. Vous et nous, ce soir, nous allons être les adorateurs que Dieu recherche. Tu n'es pas venu pour contempler quelqu'un. Tu n'es pas venu pour voir comment ça se passe, mais tu es venu pour adorer. Alléluia. Je voudrais que chacun lève la voix maintenant, que tu commences par dire merci à Dieu pour ce temps qu'il t'a donné toi. Beaucoup ont voulu être ce soir ici, mais ils n'ont pas pu. Ce n'est pas parce que tu es meilleur. Je voudrais que tu t'inclines en signe de respect devant Dieu. Ferme tes yeux, baisse ta tête. Dieu seul est ici. Dieu seul mérite qu'il soit contemplé. Dieu seul mérite qu'il soit exalté. Tu voudrais bien élever ta voix déjà pour commencer à dire à Dieu merci. Seigneur, nous t'élèvons, Seigneur. Commence, Dieu, merci. Seigneur, nous te proclamons, Seigneur. Élève ta voix, Dieu voudrait t'écouter et lui dire merci ce soir. Parce que Dieu t'a choisi au milieu de beaucoup de gens de cette ville pour que toi tu sois ici et que tu viennes élever les Seigneurs. Oh, il est redoutable. Il est bon de pouvoir exalter ton Saint-Nom, Seigneur. Qui est comme toi, oh Dieu, au milieu des hommes. Qui est semblable à toi, Maître. Avec qui allons-nous te comparer, Seigneur? Lesquels d'entre les parmi nous, parmi les hommes, parmi les sages, parmi les grands, oh Dieu, parmi les puissants, Seigneur, Tokotombo la nani, Yondo Bongi, Yondo Koki, oh Dieu, ce soir, nous nous approchons du trône du grand Dieu. Nous nous approchons du trône élevé pour commencer à élever ton nom, Seigneur, qui est semblable à toi, oh Dieu. Ce soir, toi seul mérites la gloire. Ce soir, toi seul mérites la puissance et l'adoration. Oh Dieu, que nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Avec les chants, nos cœurs s'élèvent. S'élève dans la présence de Dieu pour pouvoir l'exalter. Alléluia, Dieu devra régner ce soir. Dieu devra lui-même et lui seul trôner au milieu de nous. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Éternel Dieu de gloire. Éternel Dieu,
Seigneur. Oui, Seigneur, toi seul es digne. Toi seul es digne. Oh Dieu, toi seul es digne. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Éternel Dieu de gloire, tu es. Alléluia. Reçois la louange. Que nos faibles mots célébrés qui viennent à dire ce que tu es, Seigneur. Oh Jésus, que tu t'élèves ce soir et que toute gloire te revienne, toi-même de l'univers. Oh, tu règnes. Alléluia, Jésus, tu règnes ce soir. Tu répandras sur nous les eaux de ta vie. Alléluia. Oh Jésus, Dieu, tu es saint, Seigneur. Oh, tu es saint. Au milieu de nous, tu es saint, Seigneur. Au milieu de nous, tu es saint, Seigneur. Au milieu de nous, tu es saint. Au milieu de nous, tu es saint, Seigneur. Que la sainteté t'appartienne. Que la gloire t'appartienne. Que l'autorité te revienne. Merci, Maître. Merci, Seigneur. Oh, ça, oh, ça. Oh, ça, oh, ça. Nous entrons dans tes parvis ce soir. Oh Dieu, avec des chants, avec des chants, avec des chants, avec des chants. Oui, tu es digne, oui, tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Oh, tu es digne. Nous t'élèvons, Seigneur. Oh, digne est l'agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et la puissance t'appartient. Élève la voix, élève ta voix où tu es. Dis que Dieu seul est digne ce soir. Ce soir, Dieu seul est digne de l'adoration. Que les anges se prosternent devant lui. Que le 24 vieillard l'adore. Et que le 4 êtres vivants se prosternent devant celui qui vit à jamais. Lui seul qui a été capable, digne. Celui qui a été trouvé en Dieu, capable, digne de pouvoir regarder les livres, de les prendre de celui qui est assis sur le trône. Élève ta voix, bénis Dieu, exalte son Saint-Nom. Oh, nous t'élèvons le rocher de notre salut, le roi immortel, le prince de la gloire. Oh Dieu, tu es Dieu, au milieu de nous, tu vas régner ce soir. Au milieu de nous ce soir, tu recevras toute la gloire, toute la louange, toute la dignité, toute la puissance, toute la célébration. Oh, que ton nom s'élève. Oh, que ton nom s'élève. Oh Jésus. Alléluia. Oui, tout genou va fléchir. Ce soir. Ce soir. Hosanna, Hosanna. Oh, il est dans le ciel. Dans le ciel. Oh, sur la terre. Oh Dieu, il va falloir que tout genou fléchisse et que tout le monde confesse que seul Jésus a reçu dans l'autorité. Alléluia. Dans le ciel. Sur la terre. Tout lui est soumis. À jamais. Chantons dans le ciel. Nous te rendons grâce ce soir. Merci Jésus. Merci. Je voudrais que tu te tiennes debout là, tu es. Tu es dit, Seigneur. Parce que nous voulons tous nous tenir debout, nous voulons faire un exercice. Alléluia. Je voudrais que là où tu es, tu te tiennes debout. Tiens-toi
pas debout, je t'en prie, là où tu es. Alléluia, alléluia. Je sais qu'il est déjà présent au milieu de nous. Mais nous voulons accueillir sa sainte présence au milieu de nous avec des acclamations et des cris de joie. Écoutez, attendez. Vous allez attendre un peu. Attendez un peu. Attendez seulement un peu. Attendez un peu. Nous lirons la parole de Dieu. Qu'est-ce que dit la Bible? Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, alléluia. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que tu es prêt là où tu es? Je veux que tu t'apprêtes, sois prêt. Vous savez, nos acclamations constituent une offrande aussi pour le Seigneur. Pendant que tu seras en train de pousser le cri de joie, tu es en train de l'adorer, peut-être sans le savoir. Nous voulons l'accueillir avec nos acclamations. Avec une bonne offrande d'acclamation, acclamons le roi. Non, acclame-le bien, acclame-le bien. Acclame Jésus, acclame-le bien. Acclame le roi. Jésus. Alléluia. Jésus. Jésus. Yes. Alléluia. Bien-aimés, ce soir nous venons comme de mages. Oui, nous pouvons dire, nous avons vu son étoile briller de loin et nous sommes venus pour l'adorer. Est-ce qu'il y a réellement parmi nous des personnes qui sont venues rendre un culte à Dieu? Parmi nous, si tu es là, tu peux balancer ta main. Laisse-moi te dire que ce rassemblement, c'est un moment solennel. C'est un culte que nous dédions à Dieu. C'est une manière pour nous de témoigner au Seigneur notre gratitude. Et à la fois, nous avions dit, c'était pour nous également une manière de dédier même cette année. Commencer avec le Seigneur cette année 2016. Nous avons souvent l'habitude de dire Yesu kota likambolanga. Zambe koti kangate kota makambolanga. Mais laisse-moi te dire Zamba kota makambo ya bandi. Oh, tu n'as pas saisi. Je disais, laisse-moi te dire que Nzamba kota kamakambo ya bandi. Amen. S'il n'a pas initié quelque chose à Koko Tangoti. C'est comme ça que je voudrais que ce moment soit à la fois une occasion pour nous de dédier cette année, de commencer cette année avec le Seigneur. Et s'il nous était recommandé, demander plutôt d'étaler nos vies comme des toffes d'habits. Je suis sûr, persuadé dans mon cœur, que chacun retrouverait sûrement les traces de Dieu dans sa vie. Yes, Jésus. Regarde un peu. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour toi? Qu'est-ce que tu es par toi-même? Qu'est-ce que tu as, que tu n'as pas de la part de Dieu? Je voudrais relater une petite histoire dans la Bible. Parce qu'un jour, il y avait 10 lépreux. Alors qu'ils étaient en train de faire leur marche, sur leur chemin, ils ont rencontré le Christ. Et quelques temps après, la Bible dit, Jésus les purifia, il les guérit donc. Après qu'ils soient partis, un seulement a eu à l'esprit de revenir encore à Christ pour lui dire, Christ, je viens seulement dire merci. Alléluia. La Bible dit, Jésus était touché. Est-ce que ce soir, tu peux dire au Seigneur, merci? Je voudrais que tu le dises après moi, merci. Est-ce que tu peux dire encore merci? Et l'on dit les bien, merci. À haute voix, merci Jésus. Merci Jésus. En janvier, il a été avec toi. En février, il a été avec toi. En mars, avril, mai, juin 2015, il a été avec nous. Tu as connu des problèmes, il ne t'avait pas laissé. Rappelle-toi d'ailleurs,
que tu es tombé plusieurs fois malade, mais malgré cela, sa grâce avait été sur toi. Cette même maladie que tu as connue, il y a des personnes qui l'ont également connue. Oh, Basuela est un mot visa. Basuela est un mot visa. Akaele est en Suisse. Akaele est en Inde. Ma commune à Inde. Azongeli Bisson en cercueil. Mais toi, mais toi, à cause de la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux dire merci à ce Seigneur? Alléluia. Yahweh biso tokotombo itina yo yangolu na mitema totatoli ojalisa ambe maboko na likolo na loyembo ya basantu na manje tokoyemba. Alléluia. Yahweh biso tokotombola kitina yo yangolu na mitema totatoli ozalisa ambe maboko na likolo na loyembo ya basantu je te connais pas. Là où tu ouvres ta bouche, dis des paroles au Seigneur. Tout en réalisant celui pour qui nous sommes là ce soir, il est saint. Il est saint. Plusieurs fois saint. Il est élevé en sainteté. Élevé en puissance. Jésus avec tes propres mots. Qu'est-ce que tu peux dire au Seigneur ce soir? Dis quelque chose au Seigneur ce soir. Dis quelque chose au Seigneur ce soir. Dis quelque chose au Seigneur ce soir. Élève ta main où tu es. Commence à répondre ton cœur en sa présence. Jésus, merci. Merci de ce que tu es là. Merci, Jésus. Tes bienfaits sortent.
Est-ce que tu peux donner au Seigneur tes acclamations encore une fois? Alléluia. Je voudrais que tu te laisses emporter par le flot de l'esprit. Parce que ce n'est qu'au moyen de l'esprit que tu peux rendre un culte agréable à Dieu. Sois libre dans la présence du Seigneur. Fais ce que l'esprit te pousse de faire. Tu es libre. Jésus. Je ne sais pas ce qu'il en est de toi. Mais qu'est-ce qu'il est, c'est Jésus? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Écoute. J'aime cette portion des Écritures. Une fois, il envoya les disciples. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Il envoya les disciples. Il leur dit, allez-y, prenez-moi cet anneau. Amenez-moi cet anneau. L'anneau qui était attaché. Il dit, et si on vous demandait, vous l'amenez où? Dites-leur, le maître en a besoin. Je voudrais que tu réalises ce soir que le maître a besoin de ton adoration. Yes. Je voudrais que tu réalises ce soir que le maître a besoin de toi. Je voudrais que ce soir nous venions tous, pas beaucoup plus comme des sacrificateurs, mais surtout comme des sacrifices nous-mêmes. Il est dit aux Romains, je vous exhorte donc frères à offrir vos corps comme des sacrifices, d'abord vivants, saints et agréables à Dieu. Si tu peux offrir au Seigneur quelque chose ce soir, offre-lui de toi-même. Donne-lui de toi-même. Et j'aime ce que je suis. Il donne une condition. Que ce soit une ânesse, un anneau sur lequel jamais personne n'est monté. En d'autres termes, Nzambe Yamakambo Yasika. Tout simplement, il voudrait que tu réalises qu'il a besoin que tu lui dises des choses que tu n'as jamais dites à personne. Est-ce que maman, tu peux dire à Jésus des paroles, des phrases que tu n'as jamais dites à ton mari? Est-ce que tu peux dire à Jésus des choses, des mots que tu n'as jamais dites à ton enfant que tu aimes? Est-ce que tu peux dire à Jésus ce soir des mots et des phrases que tu n'as jamais dites à ta femme que tu aimes tant? Je ne sais pas ce qu'il en est de toi, mais pour moi, il est tout. Hey, yonde. Amotuya onangai Zambalole Zambalola Yawe Yone Yamakasi ponangai Ozanyo soyangai. Hey, Ozanyo soyangai Yasu Nai Nazalia wapona yo Nazalia wapona yo Yaya Nai Nakuku fapona yo Yesu. Sokili wana wakaka zamba bomboy. Yayay, yayay. Reka boshe. Abose yao. Sana na boshe na babasena. Ozanyoso yangai Yesu. Ozanyoso yangai. Si soy si babo moy nangai ezayo zamba lola makasi ya mikuwa nangai ezayo zamba moy ay lolendo nangai ezayo
samba bomoi yo soya ngai ezayo yesu wow na tsomboli yo mosantu na lol na sapianga motema liboso na yo na lobi yo sanyo soya ngai yawe Zaliawa pona yo Toye maboko pamba teza mbela lola Tome mizemo lokola libonza Oh! Elongona basatu toye maboko pamba te Elongona basatu toye na libonza Yesu Yesu azame toye na libonza Yesu, hey, libosa, to sopi ango, na makolo na yo, zame na lola. Na fumo limonoko, na tandi motema, na mende na yo, na masasholi. Hey! Élève Jésus, élève-le, élève-le. Élève Jésus dans ton cœur. Élève Jésus dans ton cœur. Place-le sur le trône de ton cœur. Place-le sur le trône de ton cœur. Oui, place-le sur le trône de ton cœur. Établis-le comme Seigneur dans ton cœur. Établis-le comme roi dans ton cœur. Oui, dans lui tout l'espace de ton cœur. Biso, tous Thank you.
Jésus. Mais beaucoup plus
de personnes qui aiment le Seigneur. Écoutez, écoutez. Je voudrais que nous puissions saisir cette opportunité pour dire au Seigneur que nous l'aimons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Dieu parmi nous? Je demande, c'est une question. Est-ce qu'il y a des personnes qui aiment Dieu parmi nous ce soir? Écoute, écoutez. Dieu voudrait se rassurer que dans ton cœur, il n'y a qu'une seule place. Et cette place a sa forme. De sorte qu'une fois il peut le combler. Fidèle à la ressource de Dieu. Est-ce que tu peux montrer au Seigneur que tu l'aimes de tout ton cœur ce soir? Adorer, c'est aimer Dieu. Et quand je consulte même le dictionnaire, on nous dit, c'est aimer quelqu'un au plus haut point. Ce n'est pas stupide que la Bible, Christ ait fait de cela, plutôt Dieu, ait fait de cela tout un commandement. Et en a placé en avant-plan le premier des commandements. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton énergie, tu dois aimer Dieu. Écoutez, et par là, le jour où j'ai compris ces choses, j'ai compris finalement que tout ce qui avait occupé nos cœurs avant, les gens qui n'ont pas idole. Est-ce que tu comprends ça? Si tu avais aimé ta femme plus que Jésus, laisse-moi te dire, tu n'es pas différent d'un idolâtre. Si c'est ton fils que tu as élevé dans ton cœur plus que Jésus, il constitue une idole et toi-même tu es un idolâtre. Jésus voudrait occuper ton cœur. Il aimerait entendre des adorateurs que nous sommes ce soir. Dis-moi et fort combien nous l'aimons. Chante avec moi ce cantique. Chante avec moi ce cantique. Je voudrais dire à quelqu'un que ce soir nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons des hommes de Dieu parmi nous qui nous ont honorés par leur présence. Et en même temps, aussi des serviteurs de Dieu chantent. Des serviteurs que Dieu a oué dans ce domaine de l'adoration. Il y en a d'autres qui sont en chemin en train de venir. Mais jusque-là déjà, nous avons achevé. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Henri, papa? Il viendra un moment. Nous acclamons pour HP. Acclamons pour HP. Lui, c'est un grand coéquipier de ce moment. Merci HP de nous honorer encore une fois de plus par votre présence. Nous aurons également ce soir Michel Hardy Bakenda. Lui également sera avec nous ce soir. Acclamons le Seigneur pour lui. Je voudrais que tu te tiennes debout là où tu es. Nous voulons dire au Seigneur que nous l'aimons. Tiens-toi debout là où tu es. Dis au Seigneur que tu l'aimes. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Est-ce que tu peux lever ta voix? Élève ta voix comme moi. Lui que le ciel, comment? Te préfère que tout le livre, le verre. Élève ta voix, élève-le. Yeah. El Shaddai, le Dieu saint, je lui dois ma délivrance. Il est ma puissance. Oh, Dieu de mes espoirs, qui me fait voir ses espoirs. Où je pars. Oh, je trouve une place devant sa face. Et je donne pour son demeure pour mon cœur. Tu as mis fin.
l'onction. J'entends l'unisson, comment? L'artisan de mon bonheur, le cœur de ma gloire. L'ombre de ta main sur mon chemin vient rassurer mon bonheur. Oh, 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 je trouve une place de bon savoir et je donne tout à l'honneur. Come on, 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 come on
Volingo monte manaka ye. Volingo ya monte ma ye. Volingo monte ma ye. Tiamba yango. Volingo monte ma ye. Volingo monte ma ye. Yamotema, Olingo monte. C'est en train de faire son entrée. Non, acclame bien le Seigneur, acclame bien le Seigneur, acclame le bien. Est-ce que quelqu'un peut balancer sa main pour dire merci à Dieu? Il est merveilleux, ce grand Dieu. Est-ce que vous avez dit que ma maman, que ma maman? Yamote
Que toute cette année ne sera que louange, adoration, célébration, louange, adoration, célébration, louange, adoration, célébration, parce que tu les mérites. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir une minute? Juste pour une minute. Alléluia. J'aurais voulu chanter encore. Papa Mike m'a dit de dire un tout petit mot et après on va remonter encore parce qu'aujourd'hui est un jour de reconnaissance. Alléluia. Quelqu'un peut dire la reconnaissance? Bien-aimé dans le Seigneur, alors que nous entrons au début de cette année, je voudrais rappeler à quelqu'un les vertus de la reconnaissance. Il y a un texte bien dans la Bible, dans le livre de Samuel. Au chapitre 2, nous voyons Anne qui est en train de louer Dieu, de l'adorer pour ce que Dieu a fait pour elle. Et le psalmiste dit dans Psaume 103, il dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Quelqu'un peut dire « aucun de ses bienfaits » ? Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais nous proposer trois petites informations sur la reconnaissance. Premièrement, la reconnaissance est un sentiment de gratitude. La reconnaissance nous rend redevables à Dieu. Cause à la reconnaissance, et ça, le coup, la moto, ça, n'yongwanzambe. Ceux qui tombent au tani, osa, djana, n'yongwanzambe. N'yongwanzambe, merci. N'yongwanzambe, osa, malamu. N'yongwanzambe, opesinga, makasi. N'yongwanzambe, osa, nzambe. Alléluia.
Ne commence pas l'année par des lamentations. Et tout au long de cette année, ne commence pas ta journée par des lamentations. Ne commence pas ta journée en disant à Dieu, tu ne m'aimes pas. C'est faux déjà. Parce que le fait que tu te lèves est une preuve que Dieu t'aime. Alléluia. La reconnaissance nous rend comment? Redevable à Dieu. La deuxième vérité, c'est que la reconnaissance construit notre relation avec Dieu. Même avec les hommes, si tu n'es pas reconnaissant, tu détruis la relation, n'est-ce pas? Moutalobara jamais merci. Jamais ndi marabolam. Moutouana, est-ce que les relations ressemblent? Obano kime nanzelat. Oui, alobara jamais merci. Yé, soyez au PC à Bosani Koutou. Que fera informer au Genazouaki. Alléluia. Et donc la reconnaissance construit notre relation avec Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus disait aux lépreux, il dit, et les neuf autres n'ont-ils pas été guéris? Parce que pour Jésus, on ne peut pas être guéri et continuer sa marche. Tout celui qui est guéri doit faire un demi-pas et revenir vers lui pour lui dire merci. Alléluia. Voilà pourquoi nous marchons avec Dieu dans un cycle de grâce et des actions de grâce. Alléluia. Dieu nous fait grâce pour qu'à notre tour, nous puissions nous faire monter des actions. Action de grâce est au PMI Boyokamimonogote. Action de grâce est à action. Mais de grâce. Alléluia. Tant que vous avez une bonne action. Mais de grâce. Alléluia. Pour nous, on va bang ça rabat. Oh bah, frère, bino va un signe. Tant besoin d'adorer, nous avons adoré dans sa moutema. Louange dans l'adoration, on va ramasser sa moutema. Parce que ça va action. Nous va action. Et donc, Dieu, cette année, il veut que nous puissions aller dans un sens où il nous fera grâce et nous faisons monter les actions de grâce. Il nous fait encore grâce et nous faisons monter une action de grâce. En février, il fera grâce et nous ferons monter une action de grâce. En mars, il fera grâce et on fera monter une action de grâce. En juillet, août, septembre, il fera grâce et nous ferons monter une action de grâce. De sorte que si tu oublies de faire monter une action de grâce, tu arrêtes le cycle. La reconnaissance construit notre relation. Alléluia. Et la dernière vérité, c'est quoi? C'est que la reconnaissance nous pousse à apprécier chaque détail de la vie. Quelqu'un peut dire les détails de la vie? Voilà pourquoi le psalmiste dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Vous voyez, il dit aucun. Notre problème de la louange et adoration, c'est dans la capacité de nous souvenir des bienfaits de Dieu. Si on a dit que nous devons adorer Sili, et ça c'est un sujet Sili. Capacité de se souvenir de bienfaits de Sili. Alléluia. Or la reconnaissance nous pousse à apprécier chaque détail. Nous devons adorer détail. Bien aimé dans le Seigneur, la différence entre nous dans notre manière d'adorer Dieu dépend de notre capacité à nous souvenir des détails de la vie. Il y a pendant qu'on serait en train d'adorer, de louer Dieu, l'autre est en train de pleurer. Il roule par terre. Il dit, tu es bon pour moi. L'autre est en train de regarder à gauche, à droite. Il est en train de dire, Mouto, azo exagéré. Azo exagéré, t'es peu, moi, to kanisamara mounanza, menenge moko ezate. Alléluia. Le bas, aucun de ses bienfaits. La différence entre nous, pendant qu'on adore et qu'on loue Dieu, dépend de notre capacité à nous souvenir des bienfaits de Dieu. Non, semble que pendant qu'on est en train de louer Dieu, nous avons besoin qu'il soit à 3 ans avant, à 5 ans avant, à 10 ans avant. Au moment où le sujet va continuer, et bien sûr aussi là, le bas n'a aucun de ses bienfaits. Bien-aimés, alors que nous serons en train d'adorer, de louer Dieu, alors que nous serons en train de monter encore dans la gloire, n'oublie pas qu'avoir des yeux est un miracle. N'oublie pas que respirer est un miracle. N'oublie pas que voir 2016 est un miracle. Il y a des gens qui sont morts le 31 décembre à 20h30. Nous ne sommes pas plus qu'eux, nous ne sommes pas parfaits plus qu'eux. Bien-aimés, le Seigneur, qu'aucun moitié ceux qui voisins nous ont adoré à Zaroulé là.
Ils ont adoré, ils ont le téléphone. Le problème, c'est que tu dois adorer jamais n'importe moko. Pas de les gars là mon côté. Tu as une histoire mon côté. Tu as un parcours mon côté. Tu es bien ça mais n'importe mon côté. Tu vivant n'importe mon côté. Oh, ils ont sujet louange pour nayo et pas nayo ils ont un sujet louange te. Pour la musique qu'on lit, ils parlent un miracle. Pour la musique qu'on m'a vu, ils ont sujet louange. Pour la musique qu'on a télambo, ils ont miracle. Tu ne adoreras jamais ça mais n'importe mon corps. La reconnaissance dépend de notre capacité à nous souvenir des détails de la vie. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nzambe ya lola na 2016 oyo batunose ba bosa na yonga ite. Na 2016 oyo batunose ba loboza mala mutenga ite. Ngana na ba sujet bola mo nzambe. Ngana na zao na za expression ya boli mo nzambe. Loba aucun de ses bienfaits. J'aimerais que tu lèves là où tu es. C'est pas un problème de voisin, c'est un problème de ses bienfaits. Bola muna yo ele kimingi. C'est pas un problème de où on est ou quand on le fait. Le problème, c'est... Je n'oublierai aucun de ses bienfaits. Zambe kotambolo est un miracle. Zambe koyoke est un miracle. Zambe césarienne va nous faire un Nabansi bipayo soaka. Et ça l'a collé là. Et ça l'a pile joli. Zambé diplôme et un miracle. Mouana n'a pas venu à l'Iguala. Nazo mata, nazo kita. Zambé. Nae bakaka kalambal. Batuna se va pas y aller en baïté, Zambé. Basusu tozawa. Azoyon a foulou. Le loco mio bossa nae. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Bolingona yo, yesu nanaï. Et si n'y a pas de mal, aucun de ses bienfaits. Je suis un homme qui a été monté. 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 Moto Mazala Kakobenanga Salomon Apikola Mana Salon Akotisanga na chambre Aladinga na chambre Akutinga netoko Azuma netoko Amadisinga na metu Yes Aladinga na metu Apesinga pongi Asuki wanate Aladinga tina pongi Bakoshma Bakatak Yabutu ilaganyeo. Les patins mololo. Zambé nazawa nazo banga. Nadoration alelo nazo banga banga. Nazo banga facture à paie manabomo. Il y a 2015. Il y a Ekoya montagne ni Zambé. Nazabawe nazawa nazo banga banga nazo banga facture abaksidani on se parle langai nazo banga na kofuta ngonde ngeni 2015 osalinga bola momiki ayawa nazo banga nzambe na kofuta facture ya kombona miso yo ndenge nini yango ni mana futa ngola tena nzembo. Il m'a foutu en moi ton adoration. Nalinga kayo, yes. Nalinga kayo, kayo, nalinga kayo, yes. Aïe, nalinga kayo. Mosa tolola, nalinga kayo, yes. Aïe, nalinga kayo. Tu m'as séduit. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et dire merci à Dieu? Souviens-toi des bienfaits de Dieu dans ta vie. Fais-lui monter une parole de reconnaissance. Ce n'est pas mon voisin qui l'a vécu.
C'est moi qui l'ai vécu. Comment ne pas te dire merci? Hallelujah. 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 Yahweh. Sabi wa kwambila mianda ya kumoi Moi wuchi na we mwa bila iwani Simu mpesha chana na zambi wanyi mwena moi mulenga Moi wiki gala na shufu makute monyashi kalambai Nungu chena ni moi mulumba Kwetu simfumo na mtu ya wakusela mukashi Zambi wanyo utuna bantu ba mukartiamwa Mundo será muka shi bote monyashu di mamuresha Amuka shu di muteke na moi, zambi wanyi mwena moi Ujo mumbashe mute biliseze, ye powei Kwele mukonka te monyashu wanyi kujibantu bwana Uwe mukonka na shaba jibanyu muluka, zambi wanyi mwena mule Muku wabu fukwa shete monyashu mubi bwabwalu bwanyi, zambi wanyi mwena mai Moi mumpesha chanana, zambi kubanji se mushindu kayei Zambi wabanka mbabani, zambi wabanka mbabani Yepowe, zambi wanyi mwena mwe Ora bosa karabasa Oza zambi Papa, yoza zambi Hallelujah Oza zambi Tu peux l'acclamer, tu peux l'acclamer, tu peux l'acclamer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer? Quelqu'un peut l'acclamer? Est-ce que maman va rebêter mon lolo, mon lolo, mon lolo? Jésus! Naye Melio, Nakumisio, Elongana, Elikiana. Naye Melio, Nakumisio, Elongana, Elikiana. Donne ton lio, tout ça jolio, aux Alizambé, au Borwanito. Naye Melio, Nakumisio, Elongana, Elikiana. Au Batelli Bisson, 2015, Mobima. Hallelujah.
te maraca. Alléluia.
Seko yo tokuma, tokuma zape.
Chaque jour. Les anges disent qu'il est saint chaque jour. Mais je ne sais pas si l'adoration des anges est plus que l'adoration que nous faisons sur la terre. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de famine. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Au ciel, il n'y a pas de souffrance. Au ciel, il n'y a pas de combat. Mais sur la terre, bien-aimé, quels que soient nos problèmes, quelles que soient nos difficultés, quelles que soient les maladies des autres, lorsque nous arrivons dans la présence de Dieu, nous nous agenouillons, nous mettons de côté nos problèmes pour élever ses yeux. Oh Jésus, oh Jésus, Samé, Bolingo, Samé, Naye, Yo. Nous l'acclamons, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame Jésus, acclame le bien. Alléluia. Alléluia. Non, je veux que tu l'acclames bien, acclame le bien. Acclame Jésus avec ton cœur. Écoutez. Au Seigneur, on donne le meilleur de nous. On ne donne pas une offrande à moitié. Encore une offrande moyenne. Si tu dois acclamer, acclame bien. Attends. Si tu dois aller à genoux, mais vas-y avec ton cœur. S'il faut chanter pour le roi, fais-le avec ton cœur. Je disais, acclamons le Seigneur. Acclamons le roi. Alléluia. Sûrement, il y a des gens qui se posent la question, mais c'est quoi ça encore? Surtout ceux qui nous suivent depuis chez eux à la maison en direct sur la RTG à Aude. Mais c'est quoi ça? Sûrement que toi également, ici présent, tu te poses la même question. Je voudrais vous expliquer en fait brièvement ce que c'est dans ta présence. Dans ta présence, c'est un autel d'adoration que nous avons bâti à l'honneur du roi. Parti d'un simple constat. Parce qu'à un moment, j'ai fait un constat, mais un peu malheureux. HP et Mike Flore, je me suis rendu compte que nous passons beaucoup de temps à ne faire que de prières, que je traite des prières égoïstes du genre, Seigneur, donne-moi le mariage. Non, mais là, c'est poteau. Puis, il bat la tête, poteau. Seigneur, Sanda, Moutouka. Et à un moment, je me suis posé une question, savoir, mais qu'est-ce qu'on donne au Seigneur en retour? Et même évidemment. Alors, il faut donner la précision pour faire la différence avec les autres.
Sephora Kabanga. Sephora Kabanga, ça va? Oui, ça va, et vous? Oui, très très bien. Sinon, vous êtes de quelle tribu? Je suis Mungana. Mungana. Mmh, je ne sais pas si vous connaissez parce que généralement les gens ne savent pas où est-ce que ça se trouve également. Mais expliquez. Je suis du Kwilu. Mmh. Dans la province du Bandundu. Exactement, mmh. L'ex-province du Bandundu. Voilà. Ah ben, quand on se retrouve avec une dame, le nom Kabanga, mais du côté du Bandundu. Oui, exactement. Chose étonnante. Hein? Je crois que le Bandundu et le Kasai sont quand même assez proches. Donc, je suppose que nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents ont dû avoir des affinités avec ceux du Kasai. C'est comme ça que le nom s'est éternisé. Voilà. Bienvenue à vous, Sephora Kabanga. Une troisième candidate ce soir. Je dirais donc la candidate s'appelle Déborah Bekofé. Déborah Bekofé, en quelle année à l'Institut supérieur pédagogique? Hein? Anglais. Ah, on préfère mieux parler anglais avec vous. Hein? Présentez-vous en anglais, c'est mieux. Hein? Ok, ok. My name is Deborah. And I'm from Kinshasa, of course. And I appear for that. To support my department, so. Et nous disons tout simplement welcome to RTGA World and un mot, un prix. Il fallait dire un mot, un prix en anglais. Hein? On recevra également Harrison Mwamba. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien, monsieur. Il est également étudiant à l'ISP. En quelle année? En première licence informatique. Informatique, là, c'est de l'informatique. Hein? Voilà, on comprend tout simplement, nous allons tout simplement comme écrire un mot, un prix. C'est bien écrit, ça inspire Aristote ce soir. Hein? Oui, oui. C'est bien écrit. Merci et bienvenue à vous, Aristote Mwamba. Voici les quatre candidats de ce soir. Un mot, un prix, c'est parti. Nous allons commencer la première manche. La première question pour Yannick Tsikou. Yannick Tsikou. Quel adjectif les Belges colonisateurs de notre pays collaient-ils à des cités peuplées par de Noirs congolais? Quel adjectif, mesdames et messieurs, les Belges colonisateurs de notre pays collaient-ils à des cités peuplées par de Noirs congolais? Cité indigène. Voilà. Première question pour Sephora Kabanga. Quel officier autrichien au service de Belges, mort vers la fin du 19e siècle, a vu son nom donné à l'une des communes du Congo belge habitée par des Européens? Kalina. Bonne réponse pour Sephora Kabanga. Sephora qui a un point déjà. Kalina. Mesdames et messieurs, Kalina, c'est l'ancienne appellation de l'actuelle commune de Lagombe. Je rappelle également que nous émettons depuis la commune de Kalina de Lagombe, bien sûr. Question pour Déborah Bekofé, puisque Sephora a déjà un point, Yannick a zéro point. Alors, Déborah Bekofé, voici votre question. Comment disait-on ou écrivait-on en abrégé le nom de Leopoldville? Le nom de Leopoldville. Oui. Je m'en souviens plus. Aristote? Pardon, peux répéter la question? Non, Léo. Voilà, on appelait ça Léo. Voilà, zéro pour Deborah Bekofé. Nous retrouvons Aristote Mwamba pour sa première question. De quel cardinal congolais ordonné à cet endroit en 1969, l'ex-stade du 24 novembre porte-t-il le nom actuellement? Maloula. Le cardinal Maloula. Bonne réponse pour Aristote Mwamba qui a un point. Yannick Tsikou qui a zéro. En attendant, Yannick, voici la deuxième question pour vous. Quelle est l'ancienne appellation sous la colonisation belge de l'actuel quartier Matongé dans la commune de Kalam? L'ancienne appellation. L'ancienne appellation, mesdames et messieurs, du quartier Matongé dans la commune de Kalamou, c'est le quartier Rankin. Alors, il faudra retenir le quartier Rankin actuellement Matongé. Matongé se retrouve dans la commune de Kalamou et Matongé n'est pas une commune, comme on a toujours l'habitude de dire, dans la commune de Matongé, quartier Rankin. Zéro pour Yannick Tsikou, Sephora Kabanga, votre question. La date du 30 juin 1960, consacrée à l'indépendance de notre pays, la République démocratique du Congo, était tombée à quel jour de la semaine en 1960? Un jeudi. Jeudi, bonne réponse pour Sephora Kabanga. Jeudi en 1960, jeudi, nous venons à peine
de fêter le 55e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. On vous rappelle, c'était un certain jeudi 30 juin 1960. Sephora a deux points déjà. Et Déborah Bekofé, dans quel bâtiment officiel congolais avait-on signé les documents et proclamé l'indépendance du Congo belge en 1960? Non, c'était le Palais de la Nation. Déborah Bekofé, zéro point encore. Et une question pour Aristote. Aristote Mwamba, de l'acquisition de notre indépendance en 1960, à quelle occupation a été attribué le Palais de la Nation de 1960 en 1990? L'Assemblée nationale. Non. Allez-y, Aristote. Réfléchissez. On dira le Parlement. Voilà. Zéro pour Aristote Mwamba qui a aussi zéro. Yannick. Yannick Tsikou. Voici votre question. Quel acteur politique congolais des années 1960 avait dirigé la toute première rébellion contre le régime congolais dès l'obtention de l'indépendance? Moïse Tshombe Kapende. Bonne réponse pour notre ami Yannick qui a un point. Et nous rappelons, mesdames et messieurs, Moïse Tshombe Kapende, c'était en juillet 1960. Yannick Ntikou qui a un point. Troisième question, Sephora Kabanga qui a deux points, Déborah Bekofé qui a zéro point, Aristote Mwamba qui a zéro point. Voici la question pour Sephora Kabanga. Déborah, quel est l'actuel directeur général de l'ISP Gombe? L'actuel directeur général de l'ISP Gombe répond au nom de Valentin Matoumeli Malia. Bonne réponse pour Sephora Kabanga qui a 3 points déjà. Et on est encore là avec vous, Déborah. Voici une autre question pour vous. Et puisque vous êtes, je rappelle, l'étudiant à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe, quel nom porte la grande place richement décorée qui s'érige à côté de l'ISP Gombe, non loin de la Kadeko? Ça me revient plus, je connais la place. Aristote. La place des Évolués. La place des Évolués. Déborah à zéro point. Et ça, c'est pas possible. Déborah, nous, on se pose la question. On va demander à Déborah si c'était encore une question difficile. C'est le stress. Ah, vous avez déjà les stress, hein? Oui. Oh là là, qu'est-ce qui se passe, hein? On pourra tout simplement effacer ces stress accumulés, hein? Voici une question pour vous. Quel camp militaire congolais porte le nom d'un brave paracommando envoyé pour diriger le front lors de la rébellion de 1964 en 1966 et qui est décédé à Kisangani en 1966? Yannick? Camp Kokolo. Kokolo. Camp Tchatch, c'est la réponse. Mais nous dirons tout simplement que Aristote a zéro point. Nous rappelons, il s'appelait Joseph Damien Tchatchi. C'est le camp Tchatchi. Yannick Tchikou, un point. Quel brave militaire de l'ethnie Tétéla du Kasaï oriental était le premier Congolais désigné commandant en chef de l'armée nationale congolaise en 1960? C'est pas Mobutu. Aristote. C'est le général Victor Lou Ndoula. Zéro. Une question pour Sephora Kabanga qui a jusque-là 3 points. Sephora Kabanga. Dans quelle ville s'était tenue en 1960 la table ronde pour l'indépendance du Congo belge, ancien nom de notre pays? À Berlin. Non. Aristote? Yannick? À Bruxelles. À Bruxelles, capitale de la Belgique. Déborah? Oui. On vous retrouve. Toujours en stress? Non, ça va mieux. Ça va? Oui. D'accord, voici une réponse pour vous et une question pour vous.
quel nom porte le massacre de Congolais par le pouvoir belge 15 mois avant l'indépendance du Congo belge, donc le 4 janvier 1959, dans l'enceinte du complexe Imika, au quartier Rankin, dans la commune de Kalamu. Massacre Congolais. Allez-y, allez-y, réfléchissez. Martyr de l'indépendance, Déborah Bécoffé. C'est pas possible. Aristote, votre quatrième question. Quel organe judiciaire suprême congolais s'est divisé en trois parties différentes depuis le mois de mars dernier? Yannick? Quel organe judiciaire, mesdames et messieurs, suprême congolais, s'est divisé en trois parties différentes depuis le mois de mars dernier? C'est la Cour suprême de justice. Dernière question pour la première manche pour Yannick. Ça va, Yannick? Oui, ça va. Quel ancien président du Sénégal avait offert une médiation à la crise politique dans notre pays, alors Zaïre, lorsqu'il était encore leader de l'opposition en 1991. C'est le président Léopold Sédar Senghor ? Non, c'est Sephora ? J'ai pas très bien suivi la question. L'ancien président du Sénégal avait offert une médiation à la crise politique congolaise. Alors, Zaïre, lorsqu'il était encore leader de l'opposition en 1991. Abdou Diouf ? Non, c'est Maître Abdoulaye Wad. Yannick Tsikou, merci déjà pour la première manche. C'était la dernière question pour Yannick. Il y a encore un point, Sephora Kabanga. Voici une question pour vous. Au croisement de quelles avenues se dresse l'ISP Gombe dans la commune de même nom? Déborah? Avenue Saint-Yen. Ah, il saute, t'as une réponse, hein? Croisement. Au croisement de quelles avenues se dresse? Voilà, c'est une bonne réponse, malheureusement. La question est destinée à Sephora Kabanga. C'est le croisement des avenues qui Kisangani et Père Boka. Déborah Bécoffé. Quel ancien premier ministre du Congo indépendant a été assassiné le 17 janvier 1961 dans la province du Katanga? Patrice Emery Lumumba. Bonne réponse pour Déborah qui a un point. Aristote, voici votre dernière question pour cette première manche. En quelle année l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe ISP a-t-il été créé? En 1961. Bonne réponse pour Aristote Mwamba. Mesdames et messieurs, voici la première manche de cette émission. Un mot, un prix. Nous rappelons que Yannick Tsikou qui a un point, Sephora Kabanga qui a trois points, Déborah Bécoffé un point et notre ami Aristote Mwamba qui a deux points. Alors on retrouve pour départager Yannick Tsikou et Déborah Bécoffé dans quelques instants. Le number one frappe encore. Spécial promo Lyon Soyayo. Noto est comme une réalité. 6, mais Balouka 9. 4, mais comme un kit. À partir du 19 octobre 2015. Réchargez du crédit RTL et soyez automatiquement éligible pour le tirage au sort. Plusieurs prix à gagner. Chaque jour, Chico, il y a trouble. 50 000 francs congolais. Pas une idée. Des selfies stick. Chaque semaine, pas Kietje, il y a mon papa, 0 km. Bah Wewa, il y a Sika. Bah groupe électrogène, m'en fous, la délestage, 100 000 francs congolais. Nyon Soya yo, c'est Béli Sami Sapinayo. Rechargé, à partir, il y a 2 fois 20 unités, peut gagner, n'a pété. Nyon Soya yo. Hé, Yaya, Nyon Soya yo. Vous le savez, le règle du jeu, en cas d'égalité, nous devons départager ces deux candidats.
Nous avons Yannick Tikou qui avait fait un bon point. Et aussi Déborah Beko fait un bon point. Nous vous retrouvons pour vous départager. Yannick, voici votre première question. Comment s'appelait l'étudiante de l'ISP Gombe morte d'une maladie appelée leucémie en 1975 et qui est restée un modèle de vertu à la prière? Sébira. Bonne réponse pour Yannick Tikou. Déborah Bekopé, voici une question pour vous. Dans l'abréviation ISP, qu'est-ce signifie la lettre P? Pédagogie. Bonne réponse pour Déborah Bekofe. Yannick, voici une deuxième question pour vous. Qui est l'actuel ministre congolais de l'enseignement supérieur et universitaire? C'est le professeur Théophile Mbemba. Le professeur Théophile Mbemba Fundu. Bonne réponse pour notre ami Yannick Tikou. Déborah Bekofe, combien d'années le cycle de graduat comporte-t-il en République démocratique du Congo? 3 ans. Bonne réponse pour Déborah Bekofe. Déborah aussi qui a 2 points. Et Yannick aussi qui a 2 points. Voici encore une question pour vous, Yannick. Quel nom portait l'actuelle ville de Kananga, chef-lieu du Kasaï occidental sous la colonisation belge? Déborah? Tisville. Non. Lualaburg. Dans quelle ville, Déborah, allemande, s'était-il tenu entre 1884 et 1885 la conférence centrée sur le Congo et qui avait fini par partager toute l'Afrique en zone d'exploitation? Berlin. Bonne réponse pour Déborah Bekofe. Yannick, ça va? Oui, ça va. Quel Africain avait représenté les Noirs à cette conférence de Berlin au 19e siècle? C'est Sékou Touré? Non. Patrice Emery Lumumba? Non. Quel Africain avait représenté les Noirs à cette conférence de Berlin au 19e siècle, mesdames et messieurs? C'est une question attrape. Il n'y avait personne. Voilà. Je rappelle pour départager Yannick Tikou et Déborah Bekofe. Yannick a 2 points et Déborah qui a 3 points. Voici une question pour Déborah Bekofe. Quelle est l'ancienne appellation de l'actuelle ville katangaise de Likasi? Nous avons parlé d'une question attrape. Nous avons parlé de l'actuelle appellation de la ville de Likasi et non de l'ancienne appellation, puisque l'ancienne appellation, mesdames et messieurs, je rappelle, c'est Jadoville. C'était justement une question attrapée. Déborah Bekofe, encore 3 points. Voici la dernière question pour vous départager. Yannick, avant qu'elle ne soit appelée Lubumbashi, comment cette ville s'appelait-elle sous l'administration belge? Stanleyville. Elisabethville. Bonne réponse pour Déborah que nous allons retrouver à la deuxième manche. Merci beaucoup Yannick, c'était facile? Évidemment, un peu compliqué, question attrape. Je veux dire que les questions étaient profondes. En tout cas, vous avez aimé? J'ai aimé. Un petit conseil à nos amis qui nous regardent à la maison? Beaucoup de préparation, c'était très profond. Je pensais que c'était, ça allait être des questions superficielles. Mais là, on est allé puiser au fond, donc courage à ceux qui vont continuer. Bonne chance. Donc. Merci Yannick Tikou. On vous retrouve, mesdames et messieurs, pour la deuxième manche. Sephora Kabanga, Déborah Bekofe et Aristote Mwamba. Un mot, un prix. La deuxième manche, c'est tout de suite. Le number one frappe encore. Spécial promo, Nyon Soyayo, Noto et comme réalité. 6, mais Balouka 9, 4, mais comme un kit. À partir du 19 octobre 2015, rechargez du crédit RTL et soyez automatiquement éligible pour le tirage au sort. Plusieurs prix à gagner. Chaque jour, Chicon, il y a trouble. 50 000 francs congolais. Pas unité, des 16 mystiques. Chaque semaine, pas tchétché. Il y a mon papa, 0 km. Bah wewa, il y a Kika, pas groupe électrogène, m'en fous, la délestage, 100 000 francs congolais, Nyon Soyayo, c'est petit ami Sapinayo, rechargé à partir, il y a 2 fois 20 unités, peut gagner, n'a pété. Nyon Soyayo, hey, Yaya, Nyon Soyayo.
deuxième manche, un mot à prix, mesdames et messieurs, voici Sephora Kabanga ce soir, Deborah Bekofe et Aristote Mwamba. Ils sont bien sûr tous les étudiants de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe. Alors, proposons, mesdames et messieurs, la première discipline, l'acteur musical congolais, le personnage plein d'initiatives en République démocratique du Congo, les personnalités politiques et le divers. Sephora Kabanga. Le divers. Merci à vous de participer. Sephora Kabanga, voici donc votre question, puisque vous avez opté pour les divers. Deborah, le premier indice, voici, édifice remarquable qui monte en hauteur avec ses 19 étages. Il est visible à distance lorsqu'on le regarde à partir des collines de Mbinza, Upen. L'hôtel. Deuxième indice. Situé en plein centre-ville, un peu à l'écart du building de la Gombe, il apparaît comme l'unique très haut bâtiment dans les communes populaires. Pas de réponse. L'hôtel du feu ? Non. Troisième indice, construit dans une durée de 5 ans, de 1974 en 1979, grâce à la coopération française à l'époque du président français Giscard d'Estaing, il appartient à la société nationale qui diffuse les informations en République démocratique du Congo. Quatrième et dernier indice, Sephora Kabanga. Occupé auparavant par le ministère de l'Information et Presse au 19e étage, il est actuellement en bas, les domaines du secrétariat général à l'information. C'est la tour de la RTNC ou la voix du peuple. Sephora Kabanga. 0 point pour Sephora Kabanga. Et merci quand même, hein, vous avez eu la réponse. J'avais la réponse, mais comme au début, je n'avais pas très bien suivi, j'hésitais un peu. Ah, d'accord. Voilà. Merci. Deborah Bekofe. Oui. Acteur musical congolais, personnage plein d'initiatives en République démocratique du Congo et personnalité politique. Personnalité politique congolaise, originaire de la tribu Tandou du Bas-Congo, il a fourbi ses premières armes en tant que patriote dans les années post-indépendance. Deuxième indice, contaminé par la fièvre révolutionnaire de cette époque, il avait pris part à une grande rencontre de révolutionnaires en plein exil, en Corée, en 1963, et avait rencontré Che Guevara, le célèbre révolutionnaire de tous les temps. Troisième indice, devenu professeur, il a enseigné la psychanalyse en Allemagne, avant d'amorcer avec son proche camarade Laurent-Désiré Kabila la grande révolution AFDEL de 1996 en 1997. Quatrième et dernier indice, nommé ministre d'État à la prise du pouvoir par l'AFDEL à Kinshasa, il était devenu vice-président chargé de la reconstruction et du développement après la mort de Moïse Kabila lors du régime 1+4. Actuellement, il est sénateur du PPRD. Léon Kigo. Non, Déborah, c'est le professeur Yerodia Abdoulaye Ndombassi. 0 pour Deborah et 0 pour Sephora et Aristote Mwamba. Nous restons avec les personnages pleins d'initiatives en RDC et l'acteur musical congolais. Acteur musical.